Chaque samedi, on vient ici à l'hôtel du Pavillon Bleu, on fait des animations avec les enfants qu'ils sont hébergés avec le 115. On vient ici au passe de loisirs. On fait des jeux, le foot, le roulis, le scuba avec les filles, et voilà. Je viens ici avec les bénévoles. Il y a Cyrine, il y a Mamadou, il y a Glaïna qui vient, mais pas toujours. Et moi, je suis un stagiaire. J'ai fait un stage au Secours catholique de Versailles-Chantilly. J'ai découvert le métier comme animatrice. J'ai fait le stage pour un mois. Il m'intéresse beaucoup. Après le stage, je fais un formation du BAFA. Je travaille avec les enfants. J'aime bien partir avec les sacs catholiques au jeu et au parc. Et ils nous ramènent au Paris, ils partent avec la bus. Avant de partir, ils demandent à ma mère. Ils nous aident pour aller aux colonies, pour partir en vacances et pour faire des activités au parc. On peut aller au. D'autre part aussi, moi je ne peux pas partir parce que j'ai un travail à faire avec mon père. Faire la domiciliation, des cartes CMU et tout ça, c'est pour ça. C'est pour ça que je ne suis pas partie. Moi je suis hébergée avec le 115. Ouais. J'habite à les hôtels et une fois j'étais ici à l'hôtel de Pavillon Bleu. Je reste juste 15 jours de semaine et après je pars. J'étais déjà ici à l'hôtel, le Secours catholique il est venu ici. Il est proposé en fait à Paris pour le 70 ans du Secours catholique. J'ai parti là-bas et j'ai raconté à une dame, elle s'appelle Nathalie. J'ai parlé avec Nathalie, il m'a expliqué tout. J'ai dit est-ce que je peux faire mon stage pour découvrir les métiers et tout ça. Il m'a dit d'accord. Que j'étais encore ici au Pavillon Bleu, le Secours catholique est venu chaque samedi après-midi pour faire des animations avec les enfants. C'est important parce que les enfants ils sont pas très 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 à l'aise à l'hôtel. En plus, la vérité, à l'hôtel du Pavillon Bleu, c'est un peu difficile hein, d'héberger à l'hôtel, les hôtels. En général, hein, parce que les enfants, ils veulent sortir dehors, ils veulent jouer et tout ça, mais à les hôtels, ils disent c'est interdit de jouer et tout ça, ils crient pour les enfants, après les enfants, ils font des bêtises et tout ça. Bah, le 115, ils donnent une semaine à l'hôtel. Après la semaine-là, je ne sais pas, ils vont où. Ils sont fatigués, le moral n'est pas bien, ils pensent qu'est-ce qu'il arrive après et tout ça. Je suis ici en France depuis le 18 septembre 2015. On a changé 20 hôtels comme ça. Des fois d'heures, des fois. Ouais. Et maintenant, nous sommes à 95. On a des papiers, mais on n'a pas encore le logement. On attend le logement.